la MDJ TV. Aujourd'hui, nous sommes au tremplin Claptasic. Je suis effectivement au Claptasic édition 2017. C'est un concert organisé par l'OSCD de Donjou. Les profits seront reversés au Secours Populaire, ainsi que le bar pour faire un voyage pour la MDJ. Les groupes qui vont passer ce soir sont Soul Seven qui fait de l'électro, Calixter qui joue de la pop rock, Feroz qui joue du rock électro cuivré et Expedition qui fait du hip hop. Et bien voilà, nous allons bientôt nous diriger vers les loges pour interroger Soul Seven. Je suis avec Marceline Soul Seven du groupe Soul Seven. Alors comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Ouais. Nickel. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton style de musique? Alors, le style de musique, je compose, hein, on ne se rend pas compte en fait, hein, mais moi, il y a tout un travail en amont. Hein, donc, j'ai un mini Nova, un synthétiseur, quoi, un clavier qui fait des sons un peu vintage en fait. Et tout ça, tout est travaillé. Après, j'ai ce qu'on appelle un système de VST, d'instruments virtuels, que je travaille dans Ableton, et j'ai des claviers qui valent hyper cher, parce que c'est cher en fait le matériel. Hein. Donc Jupiter, Predator, tout ça, c'est des gros synthés de malade à je sais pas combien. Donc là, je les ai en instruments virtuels, comme je t'explique. Ça, c'est un petit peu le côté MAO aussi, hein, parce que c'est de la musique assistée par ordinateur. Et ce qui me permet aussi, par aussi les voyages que j'ai eu la chance assez jeune de faire, d'essayer d'avoir des sonorités en fait qui sortent un petit peu, on va dire, même si ça les gens ils ont pas l'habitude. Et du coup, t'es contente d'avoir pu venir au Claptasic? Bien sûr, mais carrément, je suis hyper contente. En plus, vous êtes trop gentils, quoi. Ah ouais, franchement, vous êtes trop gentils. Vous êtes vraiment très bien. Ouais, super. L'organisation, nickel. Ouais. Bah, je te remercie. Est-ce que t'étais stressée avant? Oui. Ouais, est-ce que t'étais stressée? Bah, tu peux même pas imaginer. Moi, je tremble, tu vois. Donc, moi, un truc de dingue. Ouais, c'est vrai en plus, hein. Si j'arrive pas, toi, pourtant, je le sais, hein, mais j'arrive pas à lutter, quoi. C'est physique. Ouais. Et au final, ça t'a plu? Ah oui, bah, c'était excellent. Hein. Yes, ça y est. Ouais. Bah, on est de tout cœur avec toi. Merci. Alors, merci d'avoir répondu à notre interview et bonne chance. Ouais, merci. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment excellents. Hein. Carrément tous. Hein. Ah ouais, franchement. Ouais. On reviendra. Ouais. On espère. Ouais, yes. Alors, je suis avec le groupe Calixter. Et du coup, bah, bonjour déjà, comment ça va? Ça va bien. Alors, votre groupe c'est Calixter, est-ce que vous pouvez donner votre nom? Alors, moi c'est David, donc au clavier puis guitare. D'accord. Moi c'est Hervé, guitare. Ouais, c'est Nicolas à la basse. Moi c'est Do à la batterie. Et moi c'est Sandra au chant. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer, du coup, pour ceux qui vont nous regarder, ce que votre style de musique? Alors, il est parti de plein d'influences, parce qu'on aime tous différents artistes. Et puis, en fait, on fait principalement du pop-rock, et avec des compositions principalement françaises. Et vous êtes content, du coup, d'être venu ici au Claptasic? Mais carrément, mon ami. Très, très, très. Ouais, c'est de bonnes conditions de jeu, c'est vachement bien. Oui. C'est très bien organisé, vraiment. On a été super bien accueillis. Bah, merci. Ça faudra le dire dans le reportage à Donge, c'est cool. Merci. Vous avez déjà fait d'autres tremplins de ce genre? On en a fait à peu près 48. Ah, comme. Non, je plaisante. On fait rarement des tremplins, on fait des concerts, mais on fait pas beaucoup de tremplins parce que voilà, on n'a pas l'occasion non plus d'en faire beaucoup.
D'accord. Mais vous faites de... C'est des tremplins que vous avez uniquement fait, vous n'avez pas fait d'autres concerts autrement? Des concerts, mais si, des tremplins. On fait que des concerts, en fait, très très peu de tremplins. Je ne sais même pas le dernier tremplin qu'on a fait, les scènes nomades. Les scènes nomades, oui. D'accord. On a fait deux fois, ouais, ouais. Et est-ce que vous étiez stressé du coup avant de monter sur scène? Ouais, toujours, on est toujours un petit peu stressé, je pense, moi particulièrement. Oui, c'est pour ça, je pense, c'est pour ça qu'ils vous ont montré. C'est ça. C'est oui. En même temps, ils ne craignent pas grand-chose. Tu vois, ils sont en arrière, moi je suis en avant. Donc, c'est moi qui prends tout, quoi, en gros. Ah, c'est vrai. Et est-ce que, du coup, vous êtes content de ce tremplin, au final? De ce qu'on a fait, nous, ou du tremplin en général? Ah, du tremplin en général, on est très content. Après, bon, j'ai quelques imperfections. Je ne suis pas content à 100% de moi. Je ne peux pas. Mais, bah, ça, c'est normal. Mais globalement, de ce qu'on a fait, de l'enchaînement, du musique, on a réussi à prendre le public, à faire venir les gens plus près de nous. On a mis un peu d'ambiance. Là, de ce niveau, on est content. D'accord. Et est-ce que vous avez quelque chose, du coup, à dire à ceux qui nous regardent? Bien, écoutez, alors on a notre album qui est en vente, donc il est en vente à la salle, là, on a quelques albums ici, il est en vente aussi Leclerc, Leclerc de Nantes, aux espaces culturels, à Atlantis, à Leclerc Océane, voilà, ou directement aussi sur notre site. Donc c'est le site, c'est, je ne l'ai pas en tête, Calixter... Oui, point X, point... Ouais. Bon. Normalement, tu fais une recherche Calixter sur Google, ça te trouve. Donc tu peux faire des achats directement sur le site. Voilà. Est-ce que vous aurez quelques conseils, par exemple, si quelqu'un nous regarde et qu'il veut se lancer la musique, que vous auriez quelques... Faut se lancer. Oui, il faut se lancer, il faut y aller à fond. Il faut jamais trop tard. Oui. Il faut être passionné. Voilà, il faut être passionné et patient. Et après, ça roule. C'est ça. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Et bah, du coup, n'hésitez pas à acheter leur album si leur musique vous a plu. Leur groupe, c'est Calixter. Désolé, j'ai plein de papiers dans ma poche. Je m'y retrouve plus. Oui, du coup, leur groupe, c'est Calixter. Bah, merci d'avoir répondu à ma question et bonne chance, du coup, pour le concours. Acheter, c'est bien. C'est bien, acheter. Ils ne m'ont pas payé pour dire ça, alors achetez. Je dois pas.
et trembler leur compatition bien détachée, mais dépendant de leur foutoir. Et les playmobiles inutiles à toi, comme moi. Moi je crois pas aux oreilles de ceux qui ambitionnent qu'on démissionne. Moi je vote pas, je suis hors la loi. Décision déjà votée sans toi, sans moi. Et signé, je me prends de toi. Danse de Playmobil qu'elle s'imagine trop de fois. Je suis avec le groupe Féroce, alors comment ça va? Ça va, super. Alors, quel style de musique vous faites? On fait du rock, électro-rock cube, ouais. Ça veut dire quoi, électro-rock cube? Ça veut dire qu'on fait un rock qui mixe de l'électro, c'est-à-dire de la musique électronique, et une trompette en acoustique. Donc, ça fait un rock cuivré par la trompette et électro-rock par le fait qu'on ajoute des machines. Et quels sont vos différents rôles dans le groupe, du coup? Je suis le trompettiste et je m'occupe de l'électro. Beatmaker. La partie électro, beatmaker. Ouais. Okay. Moi, je suis à la batterie. Moi, à la basse. Moi, à la guitare électrique. Moi, je chante. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres claptésiques ou d'autres concerts? Non, c'est d'autres concerts. Premier, c'est notre premier claptésique. Premier claptésique. Ouais. Ouais, et vous avez fait des concerts avant? Ah oui. Et d'autres tremplins? Alors oui, aussi. Oui, on a fait d'autres tremplins. On est demi-finaliste sur un tremplin actuellement. Et la demi-finale arrive bientôt en juin. Et donc on espère que... J'espère que les le public sera présent, c'est sûr, c'est transformant, et ça sera au mois de juin. D'accord. On sort beaucoup de comptes sur notre émission. On aura des demandes. Ouais, bah n'hésitez pas du coup à aller voir le groupe Féroce au tremplin de Nantes en juin. Music City Tour. Venez nombreux. Voilà, notez l'adresse, venez nombreux, voilà. Alors, adresse sera dans la description. Est-ce que vous avant de monter sur scène? Ça allait, en fait, finalement, je suis tout à l'aise, donc après, peut-être que les autres... Il y a toujours un petit peu de stress, ouais, en fait, mais le truc, c'est aussi l'accueil. Ici, il y a quand même un très bon accueil, en fait, si on est bien accueilli, on n'a pas de stress. Hein, ouais. Donc là, on a bien mangé, donc voilà. On voulait remercier aussi l'organisation, parce que on a été super bien accueillis, c'est très bien organisé. Ouais, on trouve que vous, en tant qu'enfant, vous êtes super impliqués. Je suppose que vous êtes des ados. Vous avez quel âge en fait? 14 ans. 14 ans. Ouais, 13, bientôt 14 ans. Très ado. Bah, bravo à vous. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. C'est pour tout vous qu'il faut applaudir. D'accord. Applaudissez-les chez vous. Applaudissez-les. Voilà. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire du coup à ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Soyez féroces. Facebook. Voilà, féroce, ça s'écrit avec PH. On mettra dans la description. PHEROC. Et surtout, voilà, suivez-nous. Ce soir, on a filmé des autographes à des petits ados. C'est la première fois et on est super fiers de ça. Super fiers de ça. C'est clairement. Et venez nous voir chez nous en concert. Hyper important. Et vous éclatez, il faut faire la fête avec nous. D'accord. Et du coup, n'oubliez pas d'aller voir Féroce. Bah merci à vous d'être venus, tout ça, d'avoir répondu. Merci, merci à vous. Merci à vous. Voilà. Faites un bob. Allez. Ouais. Merci. Vas-y. Non, pas trop près. Et sinon, ça marche pas. C'est bon comme ça, là, tu... Attends, ouais, voilà. Super. Super, les gars. Voilà. J'écris pour toi. J'essaie d'expliquer moi. Individu mal fabriqué entre malédiction et propre dans son fond. La pente qui s'est tout temps. L'hémorragie brûlée à jeune forêt, ignorance évidente, douleur pachyphémère, souple héros qui ronge ton air, partie la magie oh, de ses rêves, puis la croyance en l'humain qui te dit que demain, quel malin, tu feras pour qu'il tient, les gens surveillent à la baisse, j'étais pour toi, ma chère, c'est pour ceux qui me montrent le chemin sans pas, sans pas. Des candidats suicidés, tellement lâches. Je sais que noyer, défoncer, incapable d'oublier le regard juste incapable. Reproduire le fantasme familial, si fantasme il y a. Retourner à cet inconnu qui me tue. J'hésite entre le pistolet et l'enfer ferme les fesses. Mon devoir, mon devoir. J'écris, je parle, j'écris, je parle. Je suis violent, tellement violent. Avec ce petit bonhomme que
C'est bien, mais qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est vraiment une rencontre de plein d'univers différents, parce que moi, je viens du hip-hop, sauf que les gars derrière moi ne sont pas du tout du hip-hop à la base, ils s'y sont mis au fur et à mesure. Nico, qui est ici, est plutôt métal. Monsieur Funky Man, je vous dis pas pourquoi il s'appelle comme ça, vous avez compris. Giovanni, qui est plutôt punk à la base, on a fait un gros mélange et ça a donné Expédiction. Et ça fait 3 ans et demi que ça dure, et là, on est en préparation d'un CD qui va sortir. On sait pas encore quand, mais bientôt. Ça arrive. Vas-y Giovanni, on envoie que le second morceau. Enfin, nouveau morceau. On part en exil. C'est quand t'en as marre de la routine. Quand ta vie te fait chier. T'as qu'une envie, c'est de te casser. C'est de te barrer très loin d'ici. Et tout plaquer. De partir en exil. Ça fait 15 piges, au même endroit je vous pique, et dans la routine. Merci, ça s'allonge. Je vais crier, hé tiens, moi. Attends, ça ressemble trop. C'est flagrant. Vous aimez ce que vous faites? Non, c'est de la merde. Non, je sais. Non, mais si je veux. On va faire de la YouTube monnaie. Du coup, le but, c'est faire comme Joule, on va faire ses games. Ça va faire de l'afro Joule. T'as l'afro de Guigui, c'est un jeu en mode afro-trap. Du coup, si vous voulez voir.
tapez MDJTV sur YouTube. Non, plutôt OSCD Donge. OSCD Donge. Et je le dirai pendant le spectacle. Merci. Au revoir, bonne soirée. Merci. J'ai envie de remercier chaleureusement le jury qui nous a choisi en tant que premier. J'ai envie de dire quand même que tous les groupes qui étaient là ce soir ont fait une belle prestation dans tous les styles dans lesquels ils évoluaient. Donc j'aimerais quand même qu'on applaudisse chaleureusement tous les groupes qui sont venus ce soir, s'il vous plaît. Parce que nous savons aussi qu'à la base, il y avait, je crois, 28 groupes qui ont tenté de participer. Donc il y a déjà une présélection, ce qui veut dire que c'est déjà de la qualité et on l'a pu le voir ce soir. Donc un grand merci à vous. Et puis c'est un honneur pour nous d'avoir gagné ici, d'avoir joué avec vous, d'avoir pu partager un moment avec vous. Vous ne connaissez pas cette ville, franchement, c'est hyper cool, c'est sympa. Les gens sont vraiment accueillants, ça fait plaisir. Donc un merci à tous et à bientôt. Merci. Voilà, c'était le reportage sur le Clactasique Tremplin Clactasique édition 2017. J'espère que vous avez apprécié ce moment entre compagnie. C'était Tanguy et à bientôt.